tous et bienvenue dans Talent Tout Neuf, le live, l'émission de W9 qui vous présente les artistes qui seront les futures stars de demain. Nous sommes au cœur de Paris dans l'intimité de ce magnifique loft. Autour de nous, quelques invités réunis par leur passion musicale. Car après Mehdi que nous avons reçu cet hiver, j'ai la joie d'accueillir Sébastien Ajus qui lui aussi vient de Nice. Il a remporté avec brio l'édition 2009 d'X Factor, mais Sébastien Ajus, c'est aussi une voix, une gueule qui, je suis sûre, ne manquera pas de vous emporter. Sébastien nous attend, alors bonne soirée musicale à tous. Ça te fait quoi d'y participer ce soir? Déjà, ça m'avait donné très envie. Il y avait Brisa Rocher, le groupe Gush. J'avais beaucoup aimé le concept déjà de l'émission, un lieu un peu atypique, une belle présentatrice. Et puis non, la réalisation, ça me plaisait. Et puis le live aussi. Ton parcours là-bas? Parti à La Réunion, j'avais 8 ans et je suis resté une bonne dizaine d'années. Ça t'a apporté quelque chose pour ta vie artistique? Ouais, pour la vie artistique et pour la vie humaine même, je dirais, parce que ça m'a ouvert au niveau de la tolérance, au niveau du regard sur les autres et du partage aussi. Et tes parents sont musiciens? Mon père est pianiste, en fait, il a toujours été pianiste classique, puis vers le jazz, et puis ensuite à La Réunion, il a ouvert son école de piano. As far away, it's a tough way, but who cares? You give me faith every single day. De La Réunion, tu montes à Paris. Mais tu montes à Paris pourquoi? Pour ta vie artistique, pour te créer ta carrière de chanteur? À 18 ans, voilà, j'ai quitté ma province et c'est un peu le côté, je vais monter à Paris pour apprendre, pour me former, pour apprendre le métier, parce que c'est vrai qu'au niveau artistique, c'est quand même assez dense. Je pense qu'on apprend le métier sur le terrain, hein, de toute façon. Il faut galérer un peu aussi, c'est bien de galérer un petit peu aussi. Pourquoi c'est bien de galérer? Parce que ça forme et puis ça te plaît, ça ta place, et puis tu te dis, tu te vois évoluer, donc tu te dis, là je suis parti de là. Ensuite j'arrive là, donc il y a un chemin, tu sais que c'est pas, tu sais qu'il y a un prix quoi. X Factor. C'est fin donc 2009, j'étais en train de préparer
mes petites maquettes et tout. Je me suis dit, bon, en fin d'année, je vais aller démarcher un petit peu, je vais aller montrer ce que je fais. Et là, ma mère m'appelle de l'île de la Réunion, elle me dit, ouais, alors il y a X Factor, tu m'avais parlé de ce jeu et tout. Et puis là, ils font une audition supplémentaire. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti à Rennes. Je savais même pas où j'allais dormir le soir du casting. Et puis on m'a dit, tiens, bah t'es pris pour demain, reviens demain, reviens. Je suis resté 3 jours à Rennes. Et puis à la fin, tu gagnes. Alors comment il s'est fait cet album? Dès la sortie d'X Factor, on est allé en studio début janvier. On a commencé à faire tout le choix des morceaux, les maquettes. On a fait un mix comme ça de avec un thème, quoi, parce qu'il y a un thème dans l'album. Il y a quelque chose d'assez, aussi d'assez pop, d'assez Frenchy aussi. Jolie Julie, ce joli collier, jolie laisse pour te balader. Ne voit-il pas à ton geôlier que sa prisonnière dorée se dérobera sous ses perles? Très très bien, le groupe sonne super bien, il a une super voix. Et non, mais c'était un vrai plaisir. Tu connaissais pas du tout? Je connaissais pas du tout. C'est un peu éloigné de ton univers musical pourtant. J'ai quand même beaucoup écouté de soul et puis la prise de Michael Jackson, évidemment, je connais beaucoup Michael Jackson, enfin, je connais très très bien Michael Jackson. She said I got to go home, cause I'm retired to see that I'm sleeping alone, so why don't you come with me? I said my baby's at home, she probably worries tonight. I didn't call on the phone to say, baby, I'm alright. Diana walked to me, she said, I'm not used tonight. I thought I ran to the phone to say, baby, I'm alright. I said, I'm unlocked the door, cause I forgot the key. She said, there's no coming back, because I'm sleeping with me. I'm see Diana, oh, dirty Diana. Tu pensais de Sébastien Ajus qui vient de chanter? Bien, c'est une découverte pour moi. Je suis très agréablement surprise. Il est très diversifié, il a une très belle voix. Et j'ai adoré sa reprise de Michael Jackson. C'est la première fois que tu assistes à un concert en appartement du type Talent tout neuf, le live? C'est une très bonne idée, l'appartement est sublime. Je pense que le choix des groupes est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas toujours voulu, j'ai d'accord. J'ai pas toujours voulu, j'ai aimé. Je dois.
que je te vois un talent tout neuf le live. Qu'est-ce que tu penses de notre émission et de, voilà, de ce concept de concert en appartement? Je veux rester toute ma vie avec toi. Je veux passer ma vie dans cet appartement. Et non, je trouve ça bien d'avoir des groupes dans des appartements. Non mais franchement, je trouve ça vachement bien comme émission. Et je trouve W9 génial. Sans jamais trouver ce qu'il me fallait. J'ai souvent laissé le véritable amour de côté. Cette fois je ne laisserai pas filer sous les toits. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à Sébastien, à Juste de nous avoir fait partager sa passion musicale et on lui souhaite tout le succès qu'il mérite. En attendant, si vous aussi vous voulez vivre ces instants magiques, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le site de W9, www.w9.fr et à très bientôt. En attendant, bonne fin de soirée à tous sur W9.